Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de guérison, n'est-ce pas? Enfin, guérir de ses blessures émotionnelles. Nous sommes jeudi 8 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Eh bien aujourd'hui j'ai pigé la carte plénitude bénédiction. C'est-à-dire j'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Ne pas être fermé, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez fait un long voyage. Regardez dans votre passé jusqu'à aujourd'hui. Prenez conscience des épreuves, des écueils que vous avez dû traverser pour arriver à ce moment de votre vie. Émerveillez-vous du miracle qu'a été votre vie du moment que vous avez décidé, n'est-ce pas, de vous incarner. Peut-être une partie de vous est-elle fatiguée, en a marre, et aimerait faire des expériences différentes, plus simples. Eh bien, bonne nouvelle, quelque chose en vous a attiré une grâce. Vous méritez les plus beaux cadeaux et cette conscience germe en vous et attire ce feu de lumière. Cette carte que j'ai pigée aujourd'hui, eh bien elle vous apporte une bénédiction qui vient à vous depuis l'endroit le plus lumineux de l'univers. Et c'est parce que vous l'avez demandé. Que vous en soyez conscient ou pas. C'est une aide précieuse que l'univers qui vous aime tellement vous envoie. L'univers, il ne veut que votre bien, n'est-ce pas? Il veut que vous soyez heureux, heureuse. Eh bien, cette carte de plénitude, bénédiction, vous invite aussi à ouvrir, eh bien, grand les bras et à laisser toute cette énergie se déverser sur vous. Comme si vous preniez une douche étoilée, avec plein d'étoiles. Recevez ce que vous méritez tant, parce que vous le méritez. Vous êtes une belle âme, une belle personne. N'en doutez pas. Vous méritez tant tout ce dont vous avez droit. Goûtez à votre création. Et cela créera de la plénitude dans votre vie. C'est si apaisant d'avoir cette plénitude. Vous pouvez à tout moment, n'est-ce pas, demander, eh bien, à cette belle énergie céleste de vous envelopper. Vous savez, elle est prête à se déverser sur vous et à vous apporter les plus belles grâces. Vous pouvez aussi l'utiliser, n'est-ce pas, pour des choses très concrètes. Ce blocage avec l'argent, cette difficulté avec une relation, ces jugements envers vous-même, des parties coriaces en vous que vous essayez depuis longtemps de dépasser. Mettez-y de l'intention. Mettez de l'intention que cette grâce aille vers la direction que vous recherchez. L'univers tout entier, eh bien,
Il vous soutient, car vous êtes l'un de ses enfants adorés. Mais mettez-y de l'intention, c'est tellement important. Donc, j'ouvre grand les bras pour recevoir cette magnifique lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Oh, ça c'est un super message, n'est-ce pas, de guérison. Je termine avec le petit oracle des fées. Et là, j'ai pigé la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Tu sais, même le plus petit coin de verdure, eh bien, abrite le merveilleux et te sera profitable. Allez dans la nature pour celles et celui... Pour celles et ceux, qui en ont la possibilité, allez vous ressourcer de cette belle nature, de ces belles énergies que dégage la terre-mère, n'est-ce pas? Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis, on se retrouve demain. Avec un nouveau message, guérir de ses blessures émotionnelles. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont profondes, n'est-ce pas? Et moi, d'ici là, eh bien, je vous embrasse. À demain.